qui vient d'être à Gendrich. Gendrich en deuxième position, attention Wolf. Maintenant, Richard Wolf. À la lutte de Gendrich pour la deuxième place. C'est Johnny Pana. Johnny Pana, maintenant en troisième position. Richard Wolf. Attention qu'il se rapproche, mesdames et messieurs, le titre de Gendrich. Théo Dupanda qui s'approche, il se retourne, Théo est là, Richard Wolf, derrière lui, un peu mesdames et messieurs, c'est l'entrée du dernier tour, il faut faire un maximum. Théo Dupanda, Richard Wolf, il s'agit du rapide alors que Stéphane Trigérieux, regardez la dernière difficulté là, mesdames et messieurs, ça tombe. Et Théo Dupanda. Gérard Mestinas, à la lutte avec Gérard Mestinas. Mestinas en deuxième position. Mestinas en deuxième position. Remercie à la lutte. Et les pilates en tête. Jérôme Lespinas en tête, attention. Les pilates sont longs, une longue artiste qui revient très vite. Mais Jérôme Lespinas est là, il est motivé. Il portait les assauts de l'Andertine. Il est énorme, mesdames et messieurs, Jérôme Lespinas qui fait le maximum. Devant le public de Balac, Martin, ses derniers tours font venir. Les assauts de l'Andertine. Les assauts de la montée Je marque chez Eibel.
sur mon chiffre, un prix d'ailleurs remarquable, dans la partie du monde. Donc le petit français Jérôme Lestinas avec le numéro 13 associé à Théodie Palma et la machine numéro 4. Anderson qui prend le meilleur son de ville.
Mais l'innocent se retourne. Personne, qui en mesure, mesdames et messieurs, les complétions ici, la domination du mécanique Melino, l'enfant du dernier tour. Melino, allez, toujours Melino, Melino en leader pour l'arrivée dans quelques instants, dans quelques mètres. Et le numéro 9 et à l'extérieur vont verser pour la Hollande. Cassonner, le numéro 5, Henri Van Der Fiel. Ben Philippe en troisième position, on est en bagarre pour la première place. Fabric Ben Philippe en deuxième position, Fabric en leader. Pierre Fabric, le leader, mis en Fabric, Ben Philippe toujours en deuxième position, d'accord, merci la qui a petit à petit en train de se rapprocher. Allez, toujours Fabric. Thank you.
Attention, Tony Palma. Tony Palma en deuxième position. Mathieu Pedarieux. Tony Palma va faire team 3. Il s'en vient jusqu'à la nouvelle 5. Mathieu Pedarieux. Tony Palma en deuxième position. Tony Palma en dernière attaque. Peut-être est-ce qu'il y a l'air de Tony Palma à suivre. Mathieu Pedarieux est capable, monsieur. Capable à ton fond. Allez Richard, Mathieu pour la bonjour Mathieu Pédarieux, la victoire à 10, mesdames et messieurs, par Mathieu Pédarieux. Et la troisième place de Richard Mélène. Allez, c'est un mieux sorti. Lambertine, Muraté, Allez, Lambertine, Muraté en quatrième position, c'est un mieux. Nous avons un peu de munitions, vous savez qu'il y a son rapproche devant Mercine. La Mercine est qui reste à tout le monde des munitions, que c'est pas de la Richard de Liazzi, l'aide Philippe, alors que Mathieu de Larleur est à l'arrière. Richard de Liazzi, la lutte avec l'aide Philippe, attention, autant personne qui lutte à quatrième position. Richard de Liazzi, toujours 3, attention, la tâche de Anderson, même si Richard de Liazzi est toujours Mathieu de Larleur. Autant personne qui était de plus en plus présent sur Richard de Liazzi, il va très bien d'aller à qu'on passe un maximum de bruit pour Mathieu qui arrive sur le pied avec la machine de Richard de Liazzi. Alerte, c'est arrivé, mesdames et messieurs, et une nouvelle victoire de Mathieu Pédalier de Théodipalma deuxième, Estina 3, Fabrique toujours deuxième, attention, Mélino qui occupe la troisième position sur la deuxième de Castor,
Il y était. Attention. Attention à Belgino qui se rapproche. Je veux dire qu'avec les 500 mètres, on se rend des finales. 500 mètres, c'est dans le tour. Ah, Belgino, comment tu vas chercher à l'extérieur? Comment tu as fait une petite fois d'attention au retour? Ils sont là, comment tu as fait à l'extérieur des finales? Il faut venir, on va lancer le Belgino. Numéro 5, nous avons le bouillon Claude Palma avec les fesses jaunes et la machine numéro 4 pour Claude Palma. Aux côtés de Claude Palma sur le couloir numéro 4, l'Australien Hunter Anderson, les fesses blancs et ses femmes très derrière avec la machine numéro 1. Voilà la sortie de Fabrique à l'extérieur, c'est facile pour Mathieu de l'arrière pour les mécaniques comme le dit. Fabrique en l'air, Jérôme Espinasse,
Et dans l'hiver, mesdames et messieurs, Jérôme Desimas qui revient très vite sur Virtuaric, ça sera qui nous a dit la victoire de Virtuaric. La deuxième minute de la Simon. Je vous remercie. La chute de Benoît Jérôme qui se relève. Alors que devant, c'est Julien Kerr. Julien Kerr qui conforte cette position leader et qui petit à petit va se présenter ici la victoire. La position, il vous entend, monsieur. D'ailleurs, il vous entend, c'est un maximum de bruit pour monsieur le scénario. Glenn Phillips est là avec le casque jaune. Jérôme Destinat, c'est là que je kiffe à part pour Jérôme Destinat. Je vous en prie, on va évidemment mettre mon bruit pour Jérôme Destinat. Et il fume le plus grand nombre de points ce soir. Stéphane est arrivé là avec une casque vert. Et d'ailleurs, il faut Stéphane de la rue, s'il vous plaît. Trois Français en finale. Avec les filles. Et derrière, regardez ces bandes de l'arrière impériale. Ça se fait sur pas derrière pour passer un maximum de monde, s'il vous plaît. Pour ces bandes de Énorme ce soir et la confirmation de la rapidité, le panache, la vista, le plaisir énorme que nous a donné ce soir Stéphane Desarrières, mesdames et messieurs, qui termine devant Virtuaric. La troisième position de Mathieu, les applaudissements du public de Taillac, mesdames et messieurs, pour cette victoire énorme de Stéphane Desarrières.